Bienvenue à chacun pour ceux qui nous rejoignent, il y a encore 8 places devant. Il y a encore 8 places devant. Bonjour à tous. Bonsoir. Ça permet de détendre un peu l'atmosphère parce que vous êtes tous très impressionnants. Hein.
Alors, il reste encore quelques places. Il y a deux places ici, là, et puis deux places juste devant. Il reste quatre places ici, pour ceux qui arrivent. Il y en a encore deux devant là, et puis encore une ici. Là, il y en a encore deux devant. Une juste là, et puis une au deuxième rang. Comme il est déjà bien l'heure passée, on va commencer, puis les personnes qui vont continuer de nous rejoindre vont être redirigées dans la salle de rediffusion. Sachez, avant que l'on commence cette conférence, sachez que vous pourrez la retrouver sur YouTube, hein, sur la chaîne du diocèse de Saint-Claude. Donc vous allez dans YouTube et vous tapez « Diocèse de Saint-Claude ». Et vous pourrez la re-regarder ou la transmettre à des amis qui auraient peut-être aimé être là ce soir. Donc bienvenue à chacun, bienvenue à la maison diocésaine du Saint-Esprit, hein, du diocèse de Saint-Claude. Alors nous sommes dans un cycle de conférences, des conférences tout publiques. Nous en avons déjà eu plusieurs, une sur les médecines alternatives et la foi en mois de novembre. Et maintenant, un deuxième sujet, un sujet qui nous intéresse, qui nous interpelle au quotidien, celui de l'intelligence artificielle. Alors ces conférences, tout public, ont pour but tout simplement d'avoir le regard d'un expert sur des sujets qui nous intéressent pour avoir des critères de discernement. On entend bien parler d'intelligence artificielle, hein, et des fois on ne sait pas trop quoi en penser. Soit on l'idole, soit au contraire on se dit oh là là, qu'est-ce que ça va encore nous amener tout ça, hein, donc on ne sait pas trop quoi en penser. Et donc le but de ce soir, eh bien, c'est tout simplement de donner quelques critères de discernement, à commencer par nous expliquer un petit peu ce que c'est exactement. Et pour cela, eh bien, nous avons invité M. Lezaune, Jean-Louis Lezaune, qui est expert, comme c'est marqué, expert en intelligence artificielle. Alors, il nous a mis la version anglaise. Alors, on va demander à l'IA de nous traduire la version, mais je vais vous la traduire en français, même si je ne suis pas une IA. C'est tout simplement, voilà, il est expert en intelligence artificielle et en data science. La data science, c'est tout ce qui est le traitement, les sciences des données. Hein, et ce, depuis une dizaine d'années. Et sa mission, surtout, est de travailler avec les entreprises pour voir en quoi l'intelligence artificielle peut apporter une aide, et notamment dans les cas d'usage. Donc c'est vraiment le concret des entreprises, mais il saura bien mieux vous l'expliquer que moi. Donc voilà sa mission exacte. Après l'intervention de Monsieur Lezaune, nous aurons un temps de questions-réponses. Alors pour faciliter ce temps de questions-réponses, comme on est nombreux, on est deux salles, on va vous faire circuler des petits papiers. Marie-Odile, les petits papiers sont là, si tu veux bien. Ceux qui ont des stylos, c'est super. Ceux qui n'en ont pas, on a tout prévu. On va vous faire circuler des petits papiers, et dès que vous avez une question, vous le notez sur ce petit papier, et on les récoltera
dans une bannière et on, justement, on traitera des questions et notamment on regroupera les questions qui seront sur la même thématique parce que c'est fort possible. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas, dès que vous avez une question, de venir la mettre sur ce petit papier. Et dans la deuxième salle, j'en profite aussi pour vous dire que ces petits papiers, vous êtes également distribués et vous pourrez écrire également vos questions. Voilà, j'arrête mon intervention. Peut-être encore un petit détail, et après je laisse la parole à Monsieur Lezaune. À la fin de cette conférence, il y aura un petit chapeau qui circulera. Si vous voulez soutenir le service de la formation du diocèse, et bien voilà, vous pourrez mettre une petite participation si vous le désirez. Ce n'est pas du tout obligatoire, c'est libre, bien sûr. Voilà. Merci, Monsieur Lezaune. Eh bien, bonsoir à tous. J'ai dit bonjour tout à l'heure. Voilà. Je suis très heureux d'être ici pour parler de ce sujet sur lequel beaucoup de choses se disent. Il se retrouve que je travaille dans ce domaine depuis une dizaine d'années. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne le savent pas, je travaille chez Microsoft. Mais ce que je vais vous expliquer ici, très concrètement, peut être appliqué à n'importe quel autre type de société. D'accord ? Les outils peuvent être utilisés par des sociétés classiques, des sociétés technologiques. Donc, mon discours n'est pas teinté de microsoftisme. D'accord ? Voilà. La manière dont je vais aborder cette présentation, je vais la découper en quatre parties, avec une conclusion, bien évidemment. D'abord, je vais tenter de vous expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle et ce qu'elle n'est pas. D'accord ? Je ferai un petit détour par ChatGPT, vous en avez certainement entendu parler. Je vais démythifier un peu ChatGPT pour vous expliquer ce que c'est, très concrètement. Et puis, on va naviguer vers les mythes de l'IA. Je ne vais pas vous spoiler, vous allez découvrir. Et puis, les réalités de l'IA avec ce qu'on appelle les cas d'usage extrêmes. Et puis, les cas d'usage, c'est un point de vue, bien évidemment. Je vous donnerai des clés, mais des cas d'usage plutôt utiles. D'accord ? Et puis je conclurai, et puis ensuite, comme vous le disait Laetitia, je répondrai à des questions. D'accord ? Avant de démarrer cette petite présentation, je tiens à remercier Laetitia et puis mon épouse parce qu'elle m'a poussé dans mes retranchements en me disant là c'est trop compliqué, fais attention, etc. etc. Donc voilà, c'est pas pour rien que ça fait plus de 30 ans que nous sommes mariés. Voilà. On se connaît très bien. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, en fait, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier, ça date d'avant-hier, avec, je dirais, une cinquantaine d'années, l'apparition, ou un peu plus même, des ordinateurs. Et puis, l'apparition des microprocesseurs. D'accord ? Les microprocesseurs, on peut qualifier comme étant le cerveau de l'ordinateur. Là, au moment même où je déroule cette présentation, j'utilise un microprocesseur, et en l'occurrence un microprocesseur de marque Intel. D'accord ? L'intelligence artificielle, en fait, a suivi la courbe d'augmentation des performances des microprocesseurs, de plus en plus puissants. Et j'ai mis dans cette présentation le visage de M. Gordon Moore, qui est l'initiateur d'une loi empirique que l'on appelle la loi de Moore. Et que dit cette loi ? Elle dit tout simplement que la puissance des microprocesseurs double tous les 18 mois. Et lorsque l'on sait que l'intelligence artificielle est basée sur des algorithmes,
des équations mathématiques, j'y reviendrai, eh bien, plus votre microprocesseur est puissant, mieux c'est. De la même manière, la courbe d'augmentation de la capacité de stockage. Il y a 20 ans, vous achetiez un disque dur de 5 mégaoctets. Aujourd'hui, vous avez une quantité colossale. À titre indicatif, la capacité de stockage du logiciel qui a permis à la NASA, vous connaissez la NASA, hein, à la NASA de propulser la mission Apollo 13, vous savez, la fameuse mission Houston, we got a problem, on a un problème, eh bien, tenez sur une disquette. D'accord ? Aujourd'hui, on a des millions de disquettes en analogie avec cette capacité de stockage et de calcul. Avec cette augmentation de la puissance des microprocesseurs, avec cette augmentation de la capacité de stockage, sont apparus des acteurs comme Google. Google, c'est la fin des années 90, d'accord ? Et la fin des années 90, c'est globalement l'apparition de ce qu'on appelle les gros data centers. D'accord ? Les gros data centers, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des fermes, c'est-à-dire des salles complètes avec une palanquée d'ordinateurs qui permettent en fait de rendre des services, stocker des logiciels et permettre à des gens à l'extérieur d'utiliser ces logiciels. Et donc, l'acteur majeur, c'est Google. Vous avez quelques chiffres. Sur Google, c'est 88,3 milliards de visites par mois. D'accord ? Vous imaginez, hein, le nombre de requêtes. Et puis en 2013, c'était 2 millions de serveurs, c'est-à-dire des ordinateurs, vous avez la photo juste ici à côté, qui occupaient des espaces de la taille d'un terrain de football. D'accord ? Depuis 2013, Google ne communique plus, mais on suppose qu'ils doivent avoir des dizaines de terrains de football occupant des serveurs, c'est-à-dire des ordinateurs, dans des grandes armoires, etc. L'intelligence artificielle a subi des hivers, des étés, des hivers, et puis avec l'émergence de cette capacité de calcul et de stockage des données, eh bien, l'intelligence artificielle est réapparue. Parce que l'intelligence artificielle est gourmande en capacité de calcul. D'accord ? Très bien. Maintenant, il faut savoir que l'intelligence artificielle, en termes de substrat, conceptuel, s'appuie sur l'intelligence. Plus on comprend la manière dont fonctionne le cerveau, plus on a une tendance naturelle à développer l'intelligence artificielle. Et le substrat de l'intelligence, chez l'homme, c'est le cerveau. D'accord ? Quelques chiffres. 80 à 100 milliards de neurones. On sait aujourd'hui que on multiplie cette capacité de connexion par 4 au fur et à mesure de la courbe d'apprentissage. Je suis un enfant, je deviens un adolescent, puis un adulte. Vous allez comprendre pourquoi je vous explique cela. En capacité de calcul et en consommation d'énergie, à un instant T, vous êtes en train de jouer aux échecs. Vous êtes en train de jouer à World of Warcraft, un jeu vidéo, vous consommez maximum 20 watts. À titre de comparaison, les ordinateurs qui permettent de simuler l'intelligence artificielle, notamment le langage naturel, ChatGPT, c'est minimum 20 000 watts. D'accord ? Et puis, vous avez, chacun d'entre vous, c'est assez exceptionnel, une capacité de stockage de 1 pétaoctet. Alors, 1 pétaoctet, ça ne vous dira pas grand-chose, mais sachez que c'est l'intégralité des données, des documents qui existent dans le web, c'est-à-dire l'Internet. Vous avez cette capacité-là que vous propulsez de manière, différenciée selon les activités que vous faites. D'accord ? Alors, le cerveau, c'est un organe d'acquisition et d'organisation des connaissances. On utilise son cerveau pour acquérir de la connaissance, penser, se former, et puis fournir
Je dirais des services. Je suis ingénieur, je suis technicien, etc. Et la manière dont le cerveau fonctionne, ou plus exactement acquiert la connaissance, je vais vous la décrire très rapidement. Tout commence avec le papa ou la maman. D'accord ? De 0 à 8 mois, il y a une association qui s'effectue entre ce que voit le bébé et les sons qu'il entend. Les cinq sens. D'accord ? Et puis, l'enfant, de 8 à 18 mois, acquiert ce qu'on appelle en fait son champ lexical. Une souris, une chaise, une table, des lunettes. D'accord ? Et puis, il y a un mot qui est extrêmement important et je m'émerveille à chaque fois que je vois mon petit-fils de 2 ans. C'est le mot « encore ». L'itération, la répétition. D'accord ? Et puis, au fur et à mesure, il va commencer à faire des associations. Papa, maman, chat, bois, etc. Amélioration du champ lexical. Développement accéléré de 2 à 10 ans. Verbalisation. La verbalisation est extrêmement importante. Vous connaissez Frédéric II de Hohenstaufen, empereur. Il se glosait d'être un scientifique et il se demandait si le langage était acquis ou inné. Et il a fait une expérience qui consiste à mettre des nouveau-nés, nourrissons, dans une chambre. Et il a demandé instamment aux nourrices qui étaient censées les alimenter et interférer, retenez ce terme, interférer avec le nourrisson de ne pas communiquer avec eux. Et oui, l'expérience est, est-ce que le langage est acquis ou inné ? Voilà. Eh bien, devinez ce qui s'est passé. Ils sont morts. Il a répété l'opération 3 fois. À partir de 10 ans, le champ lexical commence à se complexifier, je dirais plutôt s'enrichir. D'accord ? Et apparaissent deux éléments importants, la déduction et l'induction. La déduction, c'est à partir d'une loi générale, j'en déduis un fait, un élément. Je vais du général vers le particulier. C'est une méthode de réflexion de l'intelligence. Je crois bien qu'on en avait parlé la dernière fois. L'induction, c'est la méthode presque contraire. Je pars du particulier, j'associe des événements et j'en déduis ou j'en induis plus exactement une loi. D'accord ? Un fait similaire, un troisième fait similaire. Globalement, j'appelle tous les vendredis soirs un de mes amis. Okay ? Et puis, quelqu'un me suit le samedi matin, comme par hasard. On se retrouve dans... je dirais, un club de tennis. J'en déduis que mon ami et moi, nous jouons au tennis. C'est de l'induction. C'est le principe de base de l'intelligence artificielle. L'induction. Des faits, des faits, des faits, j'en déduis une loi. Alors le cerveau et l'intelligence artificielle, ce sont des systèmes en réseau qui évoluent par stimulation, comme je l'ai dit précédemment. On est obligé de stimuler, d'accord ? Et le cerveau et l'intelligence artificielle vont tous deux utiliser ce qu'on appelle en fait des réseaux. C'est pour ça qu'en intelligence artificielle, on parle de réseau de neurones. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau de neurones ? D'abord, comment il apprend ? Il utilise un processus itératif, l'itération, la force de la répétition, encore, encore, d'accord ? Et il classifie. Donc le cerveau en fait itère et il classifie. D'accord ? Et puis, il se développe, interconnexion de synapses qui interconnectent deux neurones. Eh bien, si l'on regarde comment fonctionne l'intelligence artificielle
Les substrats qu'elle prend, comme le texte, les images, le son, ok? Eh bien, l'intelligence artificielle, ce sont des réseaux de neurones, c'est-à-dire des corrélations de termes, d'objets entre eux. C'est comme un grand graphe. D'accord? Reprenons en fait le concept même de la manière dont fonctionne le cerveau. En intelligence artificielle, comme dans le cerveau, on va classer. Au fur et à mesure que vous avez commencé à apprendre, à acquérir vos connaissances, vous avez commencé également à classifier. Le chat boit du lait. La vache mange de l'herbe. Chat et vache sont des... Merci. Classification, graphe, corrélation. À partir du moment où je suis capable, dans mon cerveau, de faire des corrélations, je suis capable, lorsque j'acquiers une nouvelle connaissance, d'aller chercher dans mon cerveau ce qui se passe derrière, ce que j'ai déjà appris, pour essayer d'en tirer de nouvelles connaissances. Et c'est comme ça que va fonctionner l'intelligence artificielle. Il y a deux intelligences artificielles, en fait. Il y a le traitement automatique du langage naturel. On appelle en anglais le Natural Language Processing, c'est-à-dire le traitement des documents. Okay? Le chat boit du lait, c'est une phrase qui peut se trouver dans un document sur les animaux. D'accord ? Traitement automatique du langage naturel. Je peux déjà vous dire que ChatGPT fait plutôt partie du traitement automatique du langage naturel. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que dans les faits, il y a la force de l'itération. Dans le cerveau, lorsque vous faites l'acquisition des connaissances, l'enfant acquiert le terme et la compréhension de bouteille. D'accord ? Bouteille. Eh bien, il se passe un processus qui a été prouvé scientifiquement, qui est le processus de myélinisation, la myéline. La myéline. Qu'est-ce que la myéline ? C'est une gaine de protéines qui vient enchâsser les neurones et on subodore, pardonnez-moi l'expression, on subodore que c'est cette myéline qui permet l'instant, c'est-à-dire la présence des connaissances dans le cerveau. Le processus inverse de la myéline, c'est la démyélinisation. Et malheureusement, cela atteint les personnes touchées de la maladie. Bravo. Donc, quand vous itérez sur des concepts pour acquérir de la connaissance dans votre cerveau, eh bien, vous allez créer ce processus de myéline. Alors, vous allez créer, attention. C'est un processus qui est pour le coup inné, en quelque sorte. Vous allez acquérir, le cerveau va fabriquer, eh bien l'intelligence artificielle va faire la même chose. Et l'itération l'itération, ce sont des statistiques. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Je n'ai pas calculé le nombre de fois, mais vous allez me le dire. Okay. Eh bien, ça fait plus de 1. Regarde. Je m'en sors par une petite pirouette. Très bien. Alors je continue. Comment fonctionne l'intelligence artificielle? Eh bien d'abord, il me faut la data. Vous avez entendu parler de big data, de data. En fait, ce sont des données. Les données, c'est de l'information. D'accord? Et là, ça représente un système de stockage. Un système de stockage, qu'est-ce que c'est? C'est un disque dur, par exemple. D'accord? Le disque dur de votre ordinateur. Et puis, vous allez appliquer des algorithmes. L'intelligence artificielle, c'est le monde des algorithmes. D'accord? Et il y en a pléthore. Je vous donnerai quelques références à la fin si vous voulez étudier les algorithmes d'intelligence artificielle. Vous allez mettre en place, donc on va parler d'apprentissage automatique, en anglais ça donne machine learning, on va parler d'apprentissage profond à travers différentes couches de réseaux de neurones, je ne rentre pas dans le détail. C'est un Français qui l'a inventé, il s'appelle Yann LeCun, d'accord ? C'est le directeur technique de Meta, qui est la société mère de Facebook, et il est également professeur à l'Université Columbia à New York. Les Français sont assez bons en intelligence artificielle, pour information. Donc vous allez appliquer ce qu'on appelle
un modèle mathématique. Alors on va appeler ça régression linéaire, régression multilinéaire, dimension, réduction, clustering, je passe. Vous allez prendre les données, vous allez utiliser des algorithmes, et à partir de ces algorithmes, vous allez développer ce qu'on appelle un modèle de données. C'est-à-dire un modèle qui ressemble étrangement à de l'algèbre linéaire. Ce sont des mathématiques. D'accord ? Et puis, lorsque vous avez entraîné ce fameux modèle, ce cerveau digital, eh bien, vous allez faire une comparaison entre ce modèle et des nouvelles données pour savoir s'il y a une similarité. C'est comme ça que fonctionne le cerveau, finalement. Lorsque vous voyez passer une Peugeot 3008, alors je cite Peugeot parce que j'ai un de mes bons amis ici qui a travaillé très longtemps chez Stellantis, je ne fais pas de figure pointing, mais voilà. Donc, vous allez reconnaître la Peugeot 3008, vous êtes d'accord? Et pourquoi vous la reconnaissez? Parce que quelqu'un un jour vous a entraîné, c'est une Peugeot 3008. D'accord? Eh bien, c'est comme ça que fonctionne l'intelligence artificielle, ni plus ni moins. Et à partir du moment où je vous pose la question, Jean-Philippe, qu'est-ce que c'est? C'est une bouteille. Comment tu le sais? Parce qu'on te l'a appris. Et à l'intérieur, qu'est-ce que c'est? Ça pourrait. Ça pourrait. Voilà, donc, on va faire ce qu'on appelle une prédiction. Jean-Philippe vient de faire une prédiction. En intelligence artificielle, on appelle une prédiction toute information qui compare en fait le modèle appris avec une nouvelle information. Jean-Philippe a prédit que c'était une bouteille. Et effectivement, vous êtes tous d'accord pour dire que... Voilà. Et donc, ces prédictions, eh bien, à 75%, je vais reconnaître une pomme. À 60%, vous allez reconnaître le Requiem de Mozart. À 90%, vous allez, si vous vendez des glaces, à Lons-le-Saunier, vous dites, il va faire très très chaud. J'ai analysé les informations sur les 5 dernières années. A priori, on risque d'avoir, et c'est Météo France qui me le confirme, on risque d'avoir, une canicule. Je vais vendre 15 000 glaces. Alors pas en mai, on va dire en août, ok? Parce que donc c'est des prédictions, c'est du prévisionnel, d'accord? Voilà à quoi sert l'intelligence artificielle. Elle sert d'un côté à prédire des informations et également à décrire des informations. Je vous expliquerai comment tout à l'heure. Alors voilà, un exemple avec des images. J'utilise mes données, j'ai mes algorithmes, des algorithmes d'apprentissage automatique, de traitement automatique du langage naturel. Vous vous souvenez maintenant que NLP, ça veut dire Natural Language Processing, c'est le traitement automatique du langage naturel. Je produis un modèle de données, okay, et à un moment donné, sans mauvais jeu de mots, vous prenez une pomme et vous faites une comparaison avec le modèle qui a été appris en faisant converger les données et les algorithmes, vous obtenez ce modèle, vous faites une comparaison avec ce modèle, et le modèle vous dit, à 95%, c'est une pomme. D'accord? Alors, je m'avance un tout petit peu concernant ces fameux algorithmes et modèles. Les modèles d'intelligence artificielle font ce qu'on appelle un processus de généralisation. Ils généralisent. Et c'est pour ça qu'ils sont fragiles. Je m'avance un petit peu sur la présentation, mais lorsque l'on dit qu'un modèle est capable de piloter une voiture connectée, moi j'aurais une tendance naturelle à ne pas trop faire confiance, surtout si vous êtes dans un environnement urbain où il y a multiplication des objets à prédire par le système. D'accord ? Vous me dites, si vous poserez des questions après. ChatGPT. Alors, je suis désolé, je l'avais traduit en français.
Et puis j'ai complètement changé parce que mon épouse m'a dit c'est trop compliqué. Donc c'est si vous avez des doléances, vous allez voir mon épouse qui est derrière. Donc vous avez des données, vous alimentez en fait un modèle, d'accord? ChatGPT, vous entraînez en fait un ordinateur avec des algorithmes. Okay? Et cette convergence entre les données et les algorithmes vont vous donner ce qu'on appelle ce modèle. Et ce modèle, vous voyez, il y a des mots. Et vous constatez que ces mots, potentiellement, alors la première colonne dans laquelle vous avez Happy, Halloween, Alléluia, Magic, Word, etc., sont les mots, ce qu'on pourrait dire, que l'on pourrait appeler comme les mots référence. Et puis les pourcentages, ce sont ce qu'on appelle des pourcentages de corrélation. Birthday est corrélé à 95% avec happy. Et oui, quand vous dites joyeux anniversaire, c'est une expression beaucoup plus courante que joyeux chat. On est d'accord? Et donc vous allez avoir, là vous avez ce qu'on appelle une matrice. Alors une matrice, c'est, vous connaissez Excel, j'imagine, pour beaucoup d'entre vous. C'est comme une grande feuille de calcul dans laquelle vous avez des lignes et vous avez des colonnes. Et donc la première colonne, ce sont les mots références, et ensuite vous avez les pourcentages de corrélation. Rappelez-vous, corrélation, itération. Corrélation, itération. Je répète. Corrélation, itération. Pour essayer de comprendre dans ce modèle quels sont les mots qui sont corrélés aux autres. D'accord? Votre cerveau fonctionne de la même manière. Jura, madame, vous l'associez à quoi? Bingo. Est-ce que Jura, vous l'associeriez, je ne sais pas, à Paella? On peut trouver quelqu'un qui fabrique des paillas, un restaurateur, mais il est fort probable que l'itération, la corrélation est plus forte entre Jura et Comté que Jura et Paella, vous êtes d'accord? Donc là, vous avez ce qu'on appelle une matrice de données. Alors, pour des raisons, on va dire, de place par rapport à mon support PowerPoint, hein, clairement, ben, j'ai fait une toute petite matrice. Mais ChatGPT, en fait, c'est une matrice géante qui contient 175 milliards de paramètres, c'est-à-dire de lignes et de colonnes. Okay? Donc, ce sont des cerveaux géants qui tiennent dans des fermes d'ordinateurs qui font potentiellement la taille de cette pièce. Vous avez cette même capacité dans vos cerveaux. Vous allez voir où je vais en venir. Y a quelqu'un qui a prononcé un mot qui me fait titiller, c'est miniaturisation. Merci madame. On va y revenir. Donc j'accélère un tout petit peu. Donc ChatGPT, eh bien en fait, c'est comme un système de questions-réponses. Donc c'est ni plus ni moins qu'un moteur de recherche. Et un moteur de recherche plus, très intelligent. Vous allez poser une question et la manière dont le système va fonctionner est la suivante. Donc, question et réponse. Désolé encore une fois pour mes anglicismes. Answer, c'est, vous avez compris, réponse en français. Donc, je vais entrer le mot happy. D'accord? Et puis, là, je vais activer mon logiciel d'analyse, savoir qu'est-ce que j'ai en stock. Et puis, bah, je vais trouver Happy dans ma première colonne. Il va me trouver le mot. Alors là, c'est bien évidemment, c'est des informations un peu bidons, hein, mais c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. 98% Happy Magic. Magic est relié à Word, c'est-à-dire mot. Donc Magic est relié à mot, à 99%. Et il renvoie la réponse. Happy is Magic Word. D'accord? Alors ça, il le fait à l'échelle de phrases en entrée qui ne se, comment dirais-je, qui ne se limite pas à un seul mot. Il le fait avec plusieurs mots. D'accord? Donc, alors est-ce que c'est positif ou négatif, ChatGPT? On commence à poser quelques petites questions d'éthique. Alors, quand ça a démarré, il y a à peu près un an et demi, on s'est posé des questions, mais les sources de données,
Quelle est la fiabilité du système? C'est du prêt à consommer et du coup, les enfants, les jeunes, les adolescents, qui sont très malins, bien évidemment, qui appliquent une loi, et passez-moi l'expression qu'on appelle la loi de l'emmerdement minimal, d'accord, se sont emparés de l'outil pour faire des synthèses, des rédactions, etc., etc. Vous voyez? Alors, est-ce que c'est du prêt à consommer? Est-ce que ça forme les intelligences? Ce sont des vraies questions. Pourquoi? Parce que, quid du travail de recherche? Eh oui. Et ça a un petit côté ultralibéral. Ce qui nous a amené à deux chercheurs assez connus, au plus exactement ce chercheur qui est M. Russell, qui est l'un des papes de l'intelligence artificielle, qui a écrit un très très gros bouquin extrêmement technique, expliquer que ChatGPT, c'est des probabilités, pas la vérité. Et c'est vrai, c'est des probabilités. D'accord? Concernant le côté ultralibéral, il faut savoir qu'il n'y a pas un seul modèle d'intelligence artificielle qui n'ait pas été bâti par la main de l'homme. C'est alimenté par les hommes. Et derrière, pour faire ChatGPT, okay, la presse, notamment le Times, s'est fait l'écho de l'utilisation de personnes payées 2 dollars de l'heure pour alimenter la bête. D'où le côté un petit peu ultralibéral. Mais force est de constater que c'est une aide indéniable pour les ingénieurs. Quand vous utilisez ChatGPT, ChatGPT a consommé l'intégralité des langages de programmation informatique. Donc pour quelqu'un qui programme, comme moi, c'est une aide inestimable. Et je peux programmer pratiquement sur une très grosse partie des langages de programmation que je ne connais pas. Puisque derrière, la programmation informatique s'appuie sur des concepts qui sont relativement récurrents. Okay, ce qui change juste, c'est le champ lexical, j'irais, du langage de programmation. Différence entre le langage Fortran, Python, langage C, etc., etc. Donc c'est une aide formidable. Il faut bien comprendre qu'en fait, ChatGPT, c'est un moteur plus qui va rendre des services dans l'industrie. Et il commence à rendre des services non négligeables dans l'industrie à partir du moment où il est optimisé pour ça. D'accord? Et quand on dit optimisé pour ça, il faut savoir que ChatGPT, en fait, c'était un prototype grand public. C'est toujours un prototype grand public. Je m'explique. Lorsqu'une compagnie automobile, encore une fois, veut, montrer au grand public une ou plusieurs technologies qu'il va probablement lancer dans les quelques années qui viennent, il fabrique un prototype qu'il démonte dans un salon. Eh bien, ChatGPT a fait la même chose. Il a montré au monde ce qu'il savait faire. En l'occurrence, la société OpenAI a montré au monde ce qu'il savait faire. Mais dans les faits derrière, il y a un modèle qui s'appelle GPT. Alors, je vous donne le terme, l'acronyme Generative Pre-trained Transformers. Ce sont des réseaux de neurones, c'est-à-dire tout ce que je vous ai expliqué précédemment. D'accord? Donc, il n'y a pas de légende, il n'y a pas de mythe, c'est de la technologie informatique. Ce sont des structures de données. Une structure de données, quand vous utilisez une feuille de calcul Excel, c'est une structure de données. C'est du silicium avec des transistors et du logiciel. D'accord? Structure de données, vous reconnaissez. Alors, c'est un petit peu petit, je voulais vous faire un slide, mais je me suis dit après, c'était peut-être... Donc, ça, c'est pratiquement la structure de données du cerveau de mon petit-fils. Ben, il reconnaît sa maman, il est heureux... Il utilise maman en câlin, etc. Donc, il y a des corrélations. Et puis, grosso modo, vous avez donc ce cerveau numérique, okay, dans lequel vous injectez des données. Vous avez des requêtes en entrée, des requêtes en sortie. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les cas d'usage. Et les cas d'usage dans le monde industriel, c'est tous ceux qui sont cités ici. Ça va vous faciliter le développement du code informatique. Ce sont des moteurs de recherche ultra puissants.
la bonne information au bon moment. Croyez-moi, je suis en train de développer pour un certain nombre d'entreprises du CAC 40 ce type de technologie. Ils n'attendent que ça passe en production. Corréler des informations provenant de différents documents, faire une synthèse. Il y a des gens aujourd'hui qui utilisent ChatGPT, ou GPT plus exactement, je dirais, pour écrire des lettres, etc., etc. Très bien. Automatiser des questions-réponses. J'y reviendrai sur ces cas d'usage. Alors maintenant, on va passer à potentiellement ce qui vous intéresse probablement un peu plus, tout cet aspect éthique, les mythes de l'intelligence artificielle. Alors un mythe, je vous donne la définition ici, vous pouvez la lire, c'est une construction imaginaire qui se veut explicative des phénomènes cosmiques, psychologiques et sociaux, à l'image des dieux, des déesses, qui proposent une explication pour certains aspects fondamentaux du monde, de la société qu'il a forgée ou qu'il a véhiculée. Voilà ce que c'est qu'un mythe. Vous aviez déjà vu ça? C'est une réalité, hein? Ça se passe aux États-Unis, c'est une société qui s'appelle Boston Dynamics, qui a été racheté par Google, revendu, et qui travaille notamment pour le Pentagone, l'armée des États-Unis, la défense américaine. C'était en 2016, les robots ont évolué. Et durée de vie d'un robot, 10 ans. Autonomie d'un robot humanoïde avant recharge, quelques heures. Je vous mets la comparaison avec l'humain. Durée de vie d'un être humain, 80 ans et plus. Autonomie d'un être humain avant recharge, à peu près 40 jours. C'est le temps que Jésus-Christ a passé dans le désert. Voilà. Alors, pour étayer cette conférence, j'ai voulu poser trois questions majeures. Et je vous les pose et je vais y répondre. La machine est-elle intelligente? Alors en 2011, IBM a posé un acte fondateur. Pour information, j'ai travaillé comme architecte Watson, c'était la technologie d'IBM. Donc j'étais le premier architecte sur la France et l'Europe du Sud. Et je travaillais pour les entreprises en relation avec la recherche et développement aux États-Unis. D'accord ? Et ils ont développé un système informatique capable de répondre à des requêtes en langage naturel. Et à l'époque, ils ont fait un prototype. Je ne vous ai pas mis la vidéo, mais je pourrais vous la fournir.
sur Watson jouant avec deux êtres humains à un jeu qui s'appelle Jeopardy. Alors le jeu Jeopardy, qu'est-ce que c'est? C'est un matériau qui est utilisé pour construire des armures utilisées par la police. Réponse? Qu'est-ce que le... Bravo. Qu'est-ce que le Kevlar? Voilà. Eh bien, il a battu à plate couture l'être humain. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a un cerveau qui fonctionne très très vite. Okay, et il a une base de données gigantesque. Il a ingurgité Wikipédia. Vous connaissez Wikipédia? Voilà. Il a ingurgité Wikipédia. Sachez qu'en fait, pour faire tourner Watson, donc cette intelligence artificielle qui répond à des questions à la vitesse de la lumière, eh bien, il fallait 240 milliards de transistors, c'est des centaines de microprocesseurs, 24 000 watts. D'accord? Souvenez-vous, hein, 20 watts. Okay? Si vous entraînez bien, vous pouvez jouer à Jeopardy. Aux échecs. Et un pétaoctet de données. Donc voilà, un cerveau digital électronique qui était capable de battre. C'est ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle force pure. Par opposition, et je vous expliquerai cela un tout petit peu plus tard, par opposition à l'intelligence artificielle généraliste, l'AGI, Artificial General Intelligence. Vous voyez que j'ai un bon accent anglais. Je travaille tous les jours en anglais. Donc, oui, ça permet de simuler le langage naturel, mais il y a une complexité dans ces systèmes, c'est l'interaction. Si je vous pose une question, potentiellement dans votre volonté d'interagir avec moi, vous pouvez me reposer une question. Voyez? Là, on est sur un système de questions-réponses. Alors, on peut concevoir des systèmes, je dirais, qui permettent de simuler une interaction plus forte, exactement comme l'humain le fait, mais croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire. Alors, ça, c'était en 2011-2015. En 2018 à 2024, donc jusqu'à aujourd'hui, est arrivé GPT. Et force est de constater que l'interaction, toujours en question-réponse, s'est améliorée. Je pense que, je ne sais pas si vous avez utilisé ChatGPT. Okay, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et il est capable de retrouver des informations relativement importantes sur tout un chacun, puisqu'il a ingurgité des milliards et des milliards de données. Alors, quand on dit la machine est-elle intelligente, en fait, l'être humain travaille beaucoup sur le progrès et souhaite progresser. Vous avez deux sociétés qui s'appellent Inflection et Alpha Géométrie, qui sont deux startups qui sont en train justement de créer. D'essayer de créer une intelligence humaine généraliste. D'accord? Et j'ai mis la photo du jeune Turing. Turing, c'est entre guillemets, je pourrais dire, l'inventeur de l'intelligence artificielle. D'accord? C'est un Anglais, pour information, on le connaît plus pour avoir décrypté en fait les codes allemands et d'avoir inventé la machine de décryptage. C'était vraiment un génie. J'ai lu certains de ses écrits. C'est vraiment costaud. La machine a-t-elle de l'empathie? Là, vous avez un film. Il y a beaucoup de références. Je suis assez cinéphile. Il y a beaucoup de références sur l'intelligence artificielle. Et pour cause, le cinéma essaie toujours, je dirais, de s'approprier des sujets, d'aller toujours beaucoup plus en avant. Là, vous avez en fait le robot barman du film Passengers avec Chris Pratt et Jennifer Lawrence. Et en fait, c'est un robot d'intelligence artificielle qui utilise une intelligence artificielle généraliste. Croyez-moi, c'est costaud quand même. C'est très costaud à faire et c'est compliqué. Je vais y revenir. Et puis, vous avez le robot guide du film La machine à explorer le temps. Quand on parle d'empathie, je vais y revenir. Alors, peut-on créer, troisième question, peut-on créer un robot humanoïde à la fois autonome et intelligent? Eh bien, quand vous voyez la capacité de calcul, vous avez reconnu Terminator. En bas, c'est Ameca. C'est un nouveau robot qui vient de sortir et qui, soi-disant, communique en langage naturel. Sachez que derrière, en fait, ils sont connectés en fait, à des machines ultra-puissantes qui leur confèrent, en fait, qui leur permet de faire comme ChatGPT, c'est-à-dire d'interagir en questions-réponses. D'accord? Donc déjà, je peux vous dire
à la question « Peut-on créer un robot humanoïde à la fois autonome et intelligent ?» Ok, ben, peut-être simuler l'intelligence, mais l'autonomie, c'est pas gagné. Parce que derrière, les capacités de calcul des microprocesseurs qui sont intégrés dans la tête du robot, elles ne sont pas suffisantes. Ces capacités ne sont pas suffisantes. Vous utilisez un cerveau qui puise 20 watts, eux, derrière, c'est une machine avec des milliers de watts. D'accord ? Quand on pose cette question, il faut tenir compte de deux choses importantes. D'abord, les éléments de mécatronique. Les éléments de mécatronique, ce sont surtout des cerveaux moteurs. Les cerveaux moteurs, ce sont des petits moteurs qui permettent en fait de faire bouger un bras robotisé. Donc il est ici au niveau du coude. Et quand vous utilisez en fait un robot, vous utilisez un cerveau moteur. Sachez que, comment dirais-je, miniaturiser un cerveau moteur, c'est extrêmement compliqué. Et ça pose des problèmes non négligeables de ratio consommation électrique. De la même manière, si vous voulez avoir une intelligence autonome dans un robot, vous allez y mettre des microprocesseurs, et ces microprocesseurs consomment de l'énergie. Un microprocesseur, ça consomme déjà, à minima, juste un, ça consomme 80 watts. D'accord ? 80 watts. Et ce n'est qu'une sous-partie d'une intelligence artificielle beaucoup plus globale. Je vous ai montré tout à l'heure Watson. D'accord ? Alors c'est vrai que l'être humain se caractérise par une forte autonomie et des mouvements d'une grande fluidité. Et l'être humain est doté de capacités de communication, d'interaction en langage naturel d'une très grande fluidité. Donc ceux qui veulent faire des robots humanoïdes à la fois autonomes et intelligents, bah, pour l'intelligence, on pourra la simuler, clairement, notamment l'intelligence généraliste, il y a des sociétés qui travaillent dessus. Okay, pour l'autonomie, ça va être très très compliqué. Très 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 compliqué. D'autant plus qu'il faut comparer ça avec, encore une fois, le cerveau. D'accord ? Et puis là, je vous ai mis pour le mouvement un petit organisme cellulaire de l'ordre du nanomètre. Pour information, le nanomètre, vous empilez à peu près 10 000 de ces petits organismes. Donc vous voyez, hein, au niveau du mouvement juste en dessous, là. Okay, c'est ce qu'on appelle une mitochondrie. Vous avez entendu parler des mitochondries ? Les mitochondries, ce sont ces petits organismes qui propulsent ou qui l'énergie au niveau musculaire. Et vous en avez des millions. D'accord ? Essayez de miniaturiser ça. Potentiellement, c'est lui qui pourrait miniaturiser des cerveaux moteurs, donc des petits mécanismes avec des engrenages. Okay ? C'est extrêmement compliqué. Extrêmement. Alors, on parle de nanotechnologie, mais les nanotechnologies, vous empilez des nanotechnologies pour faire un robot qui fait 1,75 m, ça ne tient pas, du fait de la résistance des matériaux. Alors, sincèrement, on est loin d'y arriver. D'accord ? Je vous donne des clés de réflexion. Alors, un sujet qui me dérange un petit peu plus, bien évidemment, lorsqu'on parle de robots, c'est l'anthropomorphisme. D'accord ? On a tendance à humaniser la machine. Et je pense que c'est dangereux. C'est une opinion. Et je pense que c'est dangereux. Pourquoi ? Parce qu'on peut voir apparaître, et ça c'est disponible sur le site des Nations Unies, Ameca, donc c'est le robot que vous avez vu tout à l'heure, visage un peu humain, Grace et Sophia, qui sont trois robots humanoïdes. Et le titre, c'est un titre des Nations Unies, Rencontrer les robots qui rendent le monde meilleur. Un robot ne rend pas le monde meilleur, c'est une machine. Moi, je veux bien rendre le monde meilleur. Vous voyez ? Ce qui pose le problème aujourd'hui de réalité qui existe vraiment en intelligence artificielle, avec ces fameux cas d'usage complexes qui, sur un plan éthique, sont discutables, comme l'utilisation de robots pour retarder les effets du vieillissement. Il y a un côté un peu utilitariste et économie d'échelle à utiliser des robots. Mais rien ne remplace un être humain pour s'occuper d'une personne âgée, enfin jusqu'à preuve du contraire. Vous voyez ? Alors, c'est vrai qu'ils sont mignons, je fais de la robotique.
J'ai des robots, je ne vous les ai pas amenés parce que je ne voulais pas vous polluer avec des images, etc. Mais oui, c'est marrant. J'ai un petit robot qui s'appelle Cosmo, Danky. Quand ils sont sortis, en bon geek que je suis, je me suis empressé de l'acheter, ce qui m'a valu quelques doléances de la part de mon épouse, encore une fois. Okay. Et c'est vrai que quand on regarde Cosmo Danky, bah, il sourit, il a des expressions faciales humaines. Mais ça reste du silicium et du logiciel. Vous avez un film qui s'appelle Air, où finalement un homme tombe amoureux d'une machine. Donc c'est l'acteur Joaquin Phoenix, plus connu sous le rôle de Commode dans Gladiator, l'empereur, d'accord? Et qui pose la question, l'amour entre l'homme et la machine est-il possible? Et puis vous avez des cas, comment dirais-je, un peu plus douteux sur le plan éthique. Et encore une fois, c'est Jean-Louis Lezanne qui parle, hein, clairement. Je vous demande de pas forcément de me croire sur parole ou d'adhérer à mes opinions. Le chatbot posthume. Donc il y a des startups aujourd'hui qui récupèrent les données des êtres, des personnes, de vos proches qui sont décédés, qui en font un chatbot et vous pouvez communiquer avec eux. Ça va jusqu'au chatbot qui vous comprend, sauf qu'en Belgique, le chatbot qui vous comprend avait ce qu'on appelle un biais cognitif dans l'entraînement de son modèle, donc de ses structures de données, qui a amené un jeune homme qui était éco-anxieux à se suicider. Parce que le chatbot est arrivé à la conclusion que ce n'était pas la peine qu'il reste sur cette terre. Voyez? Compliqué, hein? Les robots autonomes de défense. Certains d'entre vous ont dû voir une émission il n'y a pas très longtemps. Absolument. Qui était très bien faite d'ailleurs. Très très bien faite. Le robot, c'est un capteur, je collecte des données, je traite ces données et j'actionne. J'effectue une action. Ça pose le problème de la régulation des robots. Aujourd'hui, il n'y a pas de régulation. Il y a des initiatives au niveau des Nations Unies pour essayer de mettre en place une régulation sur ces robots autonomes. On appelle des robots autonomes létaux. Parce que rien ne m'empêche aujourd'hui, sincèrement, d'acheter un robot en kit en Chine, ça coûte quelques milliers de dollars, hein, de le programmer et de dire, tiens, si je vois dans la rue, avec mes capteurs, vision, une personne aller au hasard qui fait entre 1m60 et 1m65, qui a des cheveux roux, un pull blanc et un pantalon noir. Eh bien, je programme l'appareil pour reconnaître, vous avez compris que c'est Laetitia, d'accord? Et dire, je vais lui tirer dans le mollet. Capteur, traitement, actionneur. Ça reste une machine avec du silicium. Le silicium, c'est le composant du microprocesseur, le stockage, etc., etc., le logiciel, ça reste une machine. Les avions de nouvelle génération, ce qu'on appelle des avions de combat de sixième génération, sont truffés d'électronique et d'intelligence artificielle. Les drones. Si vous avez vu cette émission, à un moment donné, il est dit « La guerre des drones est une guerre encore plus sale ». Pourquoi? Parce qu'en face de vous, vous n'avez personne. Vous avez la machine. C'est Terminator, hein, qui nettoie la planète. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le phénomène de guerre éclair. Vous entraînez un système et vous dites à ce système, si tu vois tes voisins d'Arbois approcher près de Pupillin, tu déclenches le niveau 2 de sécurité avancée. Le niveau 2 de sécurité avancée, il y a des armes qui sortent, pof, actionneur, hein, et regarde. Quel est le niveau d'autonomie? Ça pose la question de quel est le niveau d'autonomie que vous donnez à la machine dans laquelle vous avez des algorithmes d'intelligence artificielle, des modèles d'intelligence artificielle. C'est Skynet. Alors Skynet, ce n'est pas une réalité, c'est un film, hein. Mais la guerre éclair et la prise de décision peut entraîner un effet domino. C'est mis en évidence. Il n'y a pas de régulation au jour d'aujourd'hui. La seule régulation qui existe,
C'est lié à l'acte européen qui date du 2 février. Mais j'ai remarqué, je l'ai lu, j'ai remarqué la petite note en rouge, là, je vous laisse la deviner. Je vais vous la lire, allez. Interdiction, sauf exception sécuritaire, de l'identification biométrique à distance en temps réel des dispositifs de surveillance de masse et de manipulation du comportement ou encore des systèmes de score social de notation citoyenne comme celui qui existe actuellement en Chine. Vous remarquerez, hein, c'est écrit, hein, sauf exception sécuritaire. Donc ça veut dire que, vous inquiétez pas, hein, messieurs, dames. Vous inquiétez pas. On veille au grain. Mais de temps en temps, on vous mettra peut-être une petite caméra et Jean-Luc, si tu dépasses du cadre de fées en montagne, zou, hein ? Voilà. Les interfaces homme-machine. Vous avez entendu parler de Neuralink, Elon Musk ? Alors, c'est ce qu'on appelle les interfaces neuronales directes. Ce sont des capteurs qui sont directement connectés au cerveau. Et ces interfaces qui sont directement connectées au cerveau, en fait, apprennent des ondes cérébrales. Vous verrez qu'il y a des applications extrêmement intéressantes. Le seul problème, c'est que si vous n'avez pas un cas d'usage plutôt bienveillant, c'est un peu compliqué. Parce que le cas d'usage qui consiste en fait à développer l'homme augmenté, ça pose question. D'accord ? Qui d'entre vous, levez la main, a envie d'être un être humain augmenté ? Alors l'IA bouscule le livre audio. Ça bouscule les traducteurs. création d'un label, il y a pour les livres, c'est en cours. La surveillance de masse, j'en ai parlé. Excusez-moi, mais je commence à... Voilà, donc l'IA Acte européen veille sur nous là-dessus. Le cognitive warfare, vous avez peut-être entendu parler, dans les médias, en fait, c'est l'utilisation d'algorithmes d'intelligence artificielle pour la propagande. Alors, je vous vois là dans vos visages, excusez-moi, j'ai l'impression que vous vous dites, mais zut, vous inquiétez pas, ça termine par le positif. Moi, j'aime bien terminer par le positif. Donc, vous inquiétez pas, ça arrive. Ça. Et puis, vous avez des applications comme Midjourney. Je vous demande de reconnaître qui sont ces personnes. C'est ce qu'on appelle des deepfakes. Donc, vous la connaissez, hein, l'image du pape François en doudoune Dolce Gabbana. Je vois mal Emmanuel Macron porter un gilet jaune et ramasser les poubelles. Moi, je suis obligé de le faire, sinon c'est compliqué, les relations avec ma femme. Et puis Donald Trump qui se fait, ramasser, entre guillemets, par ses propres policiers. Pourquoi de telles images ? Donc, il peut y avoir un côté amusant. Là, on va faire un tour de moto avec mes amis dans quelques mois. J'emmène ma douce et tendre et je voulais faire le malin en utilisant Midjourney pour tatouer sur mon épaule, en fait, l'image de ma femme, vous voyez ? C'est le type d'application que vous pouvez mettre en œuvre. Génétique et IA, vous connaissez ce film ? Bienvenue à Gattaca. L'utilisation en fait d'algorithmes d'intelligence artificielle pour améliorer, c'est toujours l'histoire de l'homme augmenté. Je vous conseille c'est une société dystopique où un jeune homme issu de la procréation naturelle est en concurrence avec des jeunes gens surdoués issus de la procréation. Merci. Vous avez certainement entendu parler de ça. Cet employé qui, lors d'une visioconférence avec son patron, il lui a été demandé de virer 25 millions de dollars sur un compte en banque. Il l'a fait, mais malheureusement, ce n'était pas son patron en visioconférence. C'était des images trafiquées. L'IA fait très bien ça. D'accord ? Et puis, il y a le vendre beaucoup. Donc là encore, c'est une référence à un film qui s'intitule Minority Report avec Tom Cruise. D'accord ? Beaucoup de références ciné. Hein. Mais il y a des choses. Les auteurs de cinéma
En règle générale, des visions, et surtout là, pour le coup, c'est du Steven Spielberg. Et dans ce film, je vous conseille de le voir parce qu'il y a des technologies qui sont extrêmement intéressantes, notamment les voitures qui se déplacent dans des systèmes de rails, etc. Le seul souci, en tout cas, c'est qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle, enfin, moi j'estime que c'est un peu pénible, et prédire ce qu'il peut ou consommer de plus, ce qu'on appelle du sell-up en anglais, avec les fameux moteurs de recommandation. Les gens qui ont lu Marc Lévy et acheté des sushis ont également bu de la bière. Donc, je vous conseille d'acheter de la bière. Parce que vous avez lu Marc Lévy il y a 2 semaines, en gros, vous l'avez acheté. Okay. Vous avez mangé des sushis, puisque vous avez commandé des sushis, je suis au courant que vous avez commandé des sushis. Eh bien, je vous conseille quand même de prendre votre pack de bière. C'est ce qu'on appelle de la recommandation. L'un des cofondateurs, l'un des grands ingénieurs de Facebook a quitté Facebook. Vous connaissez Facebook, hein, le réseau social. Il a fondé une société et il a expliqué pourquoi il a quitté Facebook. Et il a dit qu'il en avait ras-le-bol de voir autant de gens intelligents développer uniquement des algorithmes de recommandation. Moi, je peux vous dire que quand je regarde un match de rugby, peut-être à la mi-temps, je bois une bière. C'est peut-être une recommandation pour vous. La créativité. En bas, là, vous avez la personne réelle et de l'autre côté, en fait, il s'est transformé en... Ah oui, Tom Cruise, mesdames. Eh oui. J'ai toujours rêvé d'être Tom Cruise, mais bon, j'ai la taille, mais pas le visage. Les pubs, ce sont de fausses pubs. D'accord? Ça pose des problèmes juridiques, notamment aux États-Unis, à Hollywood, parce que de plus en plus de directeurs de films utilisent ChatGPT pour créer leur script, leur scénario. Quid de la profession de scénariste? You could say that we use technology and data, like Rembrandt used his paints and his brushes to create something Lisez bien la mention en bas, hein. Que voyez-vous? Un tableau de Rembrandt ou l'œuvre d'une intelligence artificielle? C'est une vraie question. Ça pose le problème aujourd'hui de l'explicabilité des algorithmes d'intelligence artificielle. Et c'est un vrai sujet, parce qu'implémenter de l'intelligence artificielle dans les entreprises, quand on ne sait pas comment ça fonctionne derrière, on sait que ce sont des structures de données, on sait que ça s'appuie sur des microprocesseurs, des mémoires, c'est de la machine, c'est du logiciel. Mais souvent, dans les réseaux de neurones, on a du mal à expliquer pourquoi il arrive à ce résultat-là. Et c'est un des vrais problèmes. Après, j'en discutais l'autre jour avec mon neveu, il me disait, il y a lui, c'est un batteur, il joue dans un groupe de musique, et il a connu une personne qui est extrêmement douée en batterie, qui a utilisé des intelligences artificielles pour reproduire en fait les batteries. Il était quand même arrivé à la conclusion, il est quand même arrivé à la conclusion qu'à un moment donné, il y a une problématique d'empathie dans la production d'une IA. Et notamment sur l'absence de spontanéité. Vous voyez? Encore une fois, je vous donne des clés, hein. Je ne me prononce pas, quoique. Une nouvelle chanson des Beatles. Vous l'avez entendu? Je passe. L'IA n'est pas une science exacte, ce sont des probabilités, des statistiques, ce sont des mathématiques,
des structures de données informatiques. Il faut que vous le sachiez. Et l'IA fait des erreurs. Et c'est parce qu'elle n'est pas une science exacte, elle fait des erreurs. Et oui. Il est en difficulté, l'IA est en difficulté pour reconnaître entre un chihuahua et un cookie aux pépites de chocolat. L'IA mal utilisée comme assistant pour aider l'avocat à savoir si cette personne peut ou pas être réinsérée. Comme elle utilise des données du passé de cette personne, comme l'IA utilise des données du passé de cette personne, vous imaginez bien, à la question « peut-il ou doit-il être réinséré ?», vous répondez « mais quid ?» Absolument, on n'en sait rien. Quid ? Si, voyez ? Alors, on pourrait prendre des éléments d'information sur la manière dont il s'est comporté en prison, etc. Mais finalement, est-ce qu'on a besoin d'une IA pour légiférer là-dessus ? Pour répondre. Et puis, alors vous avez reconnu Dwayne Johnson, j'ai beaucoup de références cinématographiques. En fait, c'est pour ça que je me fais régulièrement réprimander par ma femme. Encore une fois. Non, mais rassurez-vous, je l'aime, hein. A-t-elle un avenir, cette petite fille? Si vous posez la question à une IA. Voilà. Pourquoi j'ai mis cette photo? J'ai résolument exagéré. Parce qu'on peut mettre en place des systèmes d'IA pour aider, par exemple, les ressources humaines à trouver le meilleur candidat. Ce sont des choses qui se développent, etc. Il peut y avoir une utilité, mais faire très très attention à ce qu'on appelle les biais cognitifs. Quand vous entraînez en fait une intelligence artificielle, vous y mettez vos propres biais cognitifs. Alors maintenant, je vais passer en 10 minutes au cas d'usage utile et concret. On peut entraîner des intelligences artificielles à mieux produire dans les chaînes de production. J'ai travaillé par exemple en Finlande avec une société produisant des aciers inoxydables et l'objectif était de comprendre pourquoi, si je dois produire, moi, la société s'appelle Autocompu, vous pourrez regarder sur Internet, pourquoi si je dois produire 4 millions de tonnes d'acier inoxydable par an, pourquoi j'en ai 200 000 qui partent à la benne, qui n'atteignent pas les standards de qualité requis. Ce sont des véritables applications. Vous avez tous entendu parler du barrage de Vouglan ? Le barrage de Vouglan, si vous regardez une certaine émission sur YouTube de France 3, vous avez une population au sud du barrage de Vouglan, dans la vallée, qui a un petit peu peur parce qu'il se dit que le barrage de Vouglan possède quelques imperfections. Eh bien, j'ai travaillé sur des projets avec la CNR, Compagnie Nationale du Rhône, pour faire ce qu'on appelle de la maintenance prédictive. On met en place des caméras dans des points qui, a priori, sont censés être un peu sensibles, d'accord ? On entraîne un modèle et derrière, on monitore, de la même manière qu'on monitore à travers un échographe, on monitore la manière dont des fissures, des problématiques de rouille évoluent. Ce sont des applications concrètes et extrêmement intéressantes de l'IA. Maintenance prédictive, qualité des produits, optimisation des systèmes. Dans l'agriculture, des drones qui prennent des images pour comprendre pourquoi, je dirais, certaines parties de votre récolte posent problème et d'autres pas. On peut entraîner des modèles. Consommer différemment. L'essayage digital. Alors, l'essayage digital par smartphone, compliqué. Sincèrement, j'y adhère pas trop. Mais l'essayage digital comme aide à la vente dans un magasin, pourquoi pas ? Voyez ? Les centres d'appel. Un centre d'appel, vous avez des gens qui travaillent dans des centres d'appel qui répondent 300, 400 fois à la même question par jour. On peut l'automatiser. Et en plus, ça gratifie
l'opérateur du centre d'appel parce que ça lui permet d'évoluer vers des tâches qui sont beaucoup plus gratifiantes intellectuellement. Vous voyez ? Sauver des vies. Le diagnostic précoce des tumeurs. Il y a des véritables applications là-dessus. Les nouvelles molécules, la prévention. Alors la prévention, de vous à moi, c'est un petit peu borderline. Pardonnez-moi mon expression. Pourquoi ? Parce que entre, aider mon assuré à perdre du poids, à mieux se nourrir, et finalement lui coller un score pour dire « je vais augmenter ». Vous voyez ? Faut être bien équilibré là-dessus. Hein ? Marcher à nouveau. On parlait tout à l'heure de Neuralink. Neuralink n'avait pas de cas d'usage quand ils ont démarré. Et c'est vrai qu'Elon Musk, son petit côté un peu Tony Stark dans Iron Man, très clairement, n'avait pas de cas d'usage. L'homme augmenté, c'est pas une application. En revanche, la personne tétraplégique à qui on permet de retrouver une forme de mobilité, il y a une application. Ça date d'il y a quelques mois. Comment ça se produit ? Le patient pense, il produit des ondes, puisque le cerveau, c'est aussi des ondes, d'accord ? Je lui dis, pense sur ta jambe droite. Il émet des fréquences différentes que lorsque je lui dis, pense sur ta jambe gauche. Je ne me suis pas trompé, hein, jambe gauche, droite. Okay. Vous voyez ? J'entraîne un modèle, et à chaque fois qu'il va penser, ce modèle va traduire « actionne la jambe droite quand tu penses à la jambe droite ». C'est quand même pas mal. Les systèmes de transport, optimisation du trafic aéroport, revenu management, donc la gestion des revenus, la gestion du trafic. Alors la voiture autonome, moi je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Mais entouré d'infrastructures qui permettraient à la voiture autonome potentiellement d'être vraiment autonome. Parce qu'une voiture autonome dans un environnement, comme je le disais précédemment, complexe et riche, l'IA, entre guillemets, peut dérailler. En revanche, une voiture autonome dans une infrastructure autoroutière, ça s'appelle un train. Et puis, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Et là, je voudrais mettre en évidence des personnes qui sont ici, du Fab Lab de Commenaille, parce que ça démarre par ça. Voilà une petite fille qui est née, je crois, hein, Jean-Philippe, sans son bras droit, okay, s'appelle Wendy, okay, et à qui ces aimables personnes du Fab Lab ont développé cette petite appendice que vous voyez pour lui permettre une petite prothèse, okay, pour lui permettre de jouer avec son jouet. Ben, vous savez quoi ? Quand je vois l'IA, les usages complexes, l'appât du gain, etc., ben ça me plaît. Voilà. Et merci pour ça. Tu m'en voudras pas en termes de copyright. Hein. En conclusion, l'intelligence artificielle, en fait, ce sont les technologies de l'amélioration continue. Si vous voulez faire de l'intelligence artificielle la bonne intelligence artificielle, et là, je prends position, clairement, okay, bah, il faut vous poser pourquoi ça ne fonctionne plus, pourquoi c'est déréglé, pourquoi ce dysfonctionnement, pourquoi ce problème, pourquoi j'ai cette température qui augmente. En fait, c'est un job d'ingénieur. C'est un job d'ingénieur. Et ça peut résoudre des problèmes. André, la tranche jurassienne. Pourquoi on n'a pas de neige ? Les environnements, l'environnement, le social, la gouvernance, l'agriculture, la scolite dans le Jura. Statistiques, probabilités, mathématiques. On prend des données, on essaie de comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver. Mais en tout cas, on essaie de comprendre. Vous voyez ? Et puis, le deuxième point, et c'est extrêmement important, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un outil. Et que l'outil a des usages. Et que derrière les usages, il y a de l'humain. À 100% de l'humain.
Et ça pose la question de quoi ? De l'intention. Pour quelle intention vous développez un modèle d'intelligence artificielle ? Pour planter un clou ? Ou pour agresser ? Voyez ? Quelques éléments, et j'en aurai fini, Laetitia. L'IA, ce sont des probabilités, des statistiques et de l'informatique. Je travaille pour Microsoft, mais mon métier, finalement, c'est d'être un ingénieur qualité. C'est-à-dire d'essayer d'améliorer les systèmes. D'accord ? Systèmes de production d'énergie, de production d'eau, etc., etc. Ça peut donc aider grandement au développement durable. L'IA doit être régulée. Et c'est vrai que la question de la surveillance de masse est cruciale. OK ? Mais cruciale, mais j'oserais presque dire relative, parce que les personnes qui habitent en Chine, les Chinois, ça ne leur pose pas de problème d'être scorés socialement. Nous, avec le petit côté gaulois qui est un petit peu exponentialisé dans le Jura, OK ? Et c'est un Basque qui vous le dit, je suis Basque. Okay. Eh bien, on ne pourrait pas avoir ce système de scoring social. Ça paraît difficile. L'IA peut assister l'humain et ne doit pas le remplacer dans les décisions. Il pourrait, mais est-ce que c'est une décision qui fait appel à de la spontanéité ? C'est une décision planifiée. Et donc, comme toute décision planifiée, elle ne laisse pas, je dirais, la place à l'impondérable. Et ça, c'est un problème. Et puis derrière, pour tous vos jeunes qui veulent faire de l'IA, ben, envoyez-les-moi. Je ne suis pas cher du tout. Voilà. Donc, quelques références. Vous avez des... Alors, ce sont des livres éminemment techniques. François Chollet, qui est un ingénieur de chez Google. Yann Lequin, je vous en ai parlé. Ce qui est très important, c'est que ces gens-là sont dans la réalité. Caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement. Et puis, vous avez des films. Alors, si vous voulez vous amuser, vous voulez passer un bon moment, il y a d'excellents films autour de l'intelligence artificielle, certes, okay, mais ça reste un amusement. D'accord ? C'est du fun. Merci. Ce que l'on peut te poser déjà, Jean-Louis, c'est dans le domaine, notamment, l'utilisation de l'IA, dans le domaine... De la médecine et de la guerre qui revenait pas mal dans les questions. Quid d'un usage éthique de l'IA dans ces domaines-là et donc comment est-ce qu'il y a des chartes éthiques et pas mal de questions aussi autour des limites de l'IA. Est-ce qu'il y a des limites ? Qui fixe les limites ? Est-ce qu'il y a une sorte de code de déontologie de l'intelligence artificielle ? Ah, c'est une vraie question, mais comme je le disais durant, durant la présentation, il n'y a pas de véritable régulation à ce jour. D'accord ? Et puis, même aux États-Unis, vous avez des problématiques de régulation qui diffèrent selon les États. Toute la question en fait de la limite, c'est grosso modo en médecine, c'est la problématique aujourd'hui du phénotype ou de l'analyse en fait des gènes, hein, d'accord. Et sur ce sujet aujourd'hui, très clairement, la question se pose toujours la question de l'intention. Est-ce que c'est fait pour essayer de... Alors, je ne doute pas que les médecins ou les chercheurs dans le domaine du cancer, je dirais, et actuellement, je collabore avec une start-up et merci Pierre, hein, c'est toi qui m'as mis en cheville avec eux, dans le domaine de la recherche sur le cancer. On sait aujourd'hui, par exemple, que l'IA est très utilisée pour... comment dirais-je, la différenciation des traitements. On sait aujourd'hui que l'IA, très clairement, il y a un cancer par personne. Vous voyez ? Et donc, les travaux sont effectués de manière à essayer de trouver un traitement différencié par personne.
Jusqu'où on va pour aller chercher des informations à partir du moment où l'intention c'est de régler un problème. Donc finalement, on peut considérer que sur un plan éthique, je dirais, c'est honnête. Si dans le domaine de l'analyse des informations, on est plus sur une intrusion du corps humain, et jusqu'où... C'est des questions qui sont très vastes et je ne suis pas forcément la meilleure personne pour y répondre. Mais une chose est sûre, jusqu'où on peut faire de l'acharnement thérapeutique, c'est potentiellement une autre question. Ce n'est pas forcément lié à l'IA, mais je dirais, les cas d'usage, on essaie de comprendre pourquoi il y a des dérèglements. Pourquoi il y a des dérèglements dans le domaine, pas dans le corps humain. On sait aujourd'hui que des alimentations trop grasses, il n'y a pas besoin d'IA pour ça. Que le stress des sociétés qui vont à toute vitesse sont générateurs de... Sincèrement, en matière d'éthique, je dirais, tout est question d'intention. Et dans l'intention aujourd'hui, il y a des gens qui souhaitent régler le problème de l'IA. Jusqu'où on va aller pour... Je ne saurais pas vous dire. Sur les problématiques de la guerre, qui sont une autre problématique, je vous ai déjà expliqué la problématique majeure, c'est surtout l'autonomie des systèmes qui pose problème. Jusqu'où les gens du Pentagone, de la défense française, laissent les systèmes d'IA être autonomes, voyez, en vertu de cette problématique de la guerre éclair. Donc, Derrière, oui, il y a des scénarios catastrophes. Non, il n'y a pas de régulation. Ou très peu. Donc finalement, aujourd'hui, comme je vous le disais, vous pouvez acheter un kit de robots relativement sophistiqué et le programmer, le vendre au Pentagone, et ce sont les gens du Pentagone, okay, qui potentiellement prennent la décision jusqu'où on peut aller en matière de guerre. On est vraiment sur l'humain, quoi. Mais il n'y a pas de régulation. Donc. Après, sur le problème éthique, je vous ai donné mon point de vue. Hein, et je pense que vous vous êtes fait votre propre opinion. Vous voyez ? Un autre élément sur l'éthique de l'utilisation de l'IA. Aujourd'hui, quand vous utilisez vos smartphones, on collecte de la donnée. On est capable, très concrètement, de savoir pratiquement qui vous êtes. Bah, dans un des slides que je vous ai montré, il y avait une prise électrique. Une journée sans smartphone, ça peut faire du bien. Un mois sans smartphone, ça peut faire aussi du bien, vous voyez. Vous débranchez la machine. Est-ce qu'il y a une régulation? Aujourd'hui, on sait très bien que... Je vous donne un autre exemple de problème éthique à Barcelone. Pour entrer dans certaines boîtes de nuit, désormais, on vous implante une petite puce. C'est en Suède, il y avait, quand vous vouliez travailler pour certaines banques, on vous implantait une petite puce. Si on vous implante une petite puce avec des capacités de calcul et de stockage, bah, des personnes mal intentionnées qui ont un contrôle sur les données qu'ils capturent de votre part peuvent très bien se dire « Waouh !» Vous voyez ? Vous connaissez tous l'affaire... Ce garçon qui travaillait pour le Boston Consulting Group et qui était consultant à la NSA. Ah zut, j'ai un trou de mémoire. Pardon ? Ah, Assange, c'est les Wikileaks. Mais et ça a donné lieu à un film qui... Pardon ? D'un ? Non, c'est cette personne, c'est l'affaire d'un jeune homme qui, à un moment donné, s'est rendu compte qu'il y avait, finalement, on parle de surveillance de masse, mais la surveillance de masse, pardonnez-moi, je ne suis pas filmé, et si ça se trouve, ce soir, je vais dormir dans mon lit, mais j'espère. Mais elle existe depuis longtemps. Je veux dire, on sait tous, à travers cette personne, ça fait les choux gras de la presse, on n'en entend plus parler, mais...
qu'aux États-Unis, la NSA, en fait, possède des ordinateurs ultra puissants qui collectent des données et utilisent l'intelligence artificielle pour extraire des informations. L'intention derrière, c'est quoi? Voilà. Alors ça, c'est le scénario catastrophe. Moi, à la limite, que le système constate que demain, je vais regarder le match de rugby, je m'en fous royalement. Vous voyez? Pardon. Toujours dans le domaine des données personnelles, est-ce qu'il y a des moyens de protéger vos données personnelles pour éviter l'utilisation par l'IA? Ça revient pas mal aussi. Ben, les moteurs de recommandation, quand vous allez sur Amazon acheter quelque chose, vos ordinateurs, vous collectez. Hein. Le seul moyen, ça serait éventuellement... Il faut bien savoir que ces technologies, dans 99% des cas, elles viennent de deux pays majeurs, les États-Unis et la Chine. D'accord? Et croyez-moi, il y a un croisement très fort entre les deux. Des laboratoires Microsoft à Pékin. D'accord? Bon, et voilà. Une fois qu'on a dit ça, comment dirais-je? Quand vous achetez un ordinateur, vous avez 99,99% de chance d'avoir un Windows dessus. Bon, je travaille chez Microsoft, hein, mais si ça se trouve, je suis en période d'essai parce que j'avais passé 3 ans, je suis revenu. Si ça se trouve, lundi, peut-être que je vous demanderai un job. Mais globalement, beaucoup de logiciels d'IA, beaucoup de systèmes d'exploitation sont des boîtes noires. Jean-Luc, toi qui as été directeur informatique, je peux le dire, hein, d'une très très grosse société de construction automobile, hein. Je t'ai cafeté, je suis désolé. Tu m'en voudras quand on ira dîner ensemble. Vos smartphones. Voilà. Oui. Oui, on peut faire beaucoup de choses avec vos données. Donc, le seul moyen de se protéger, en gros, c'est d'éteindre les smartphones. Oui, mais est-ce qu'on peut éviter le progrès aussi? Oui, est-ce qu'on peut éviter le progrès aussi? Autre question, l'intelligence artificielle très utilisée en météo, pourquoi? Alors là, je suis basque, mais je vais vous faire une réponse de Normand. En fait, j'ai vendu des gros calculateurs pour Météo France, puisque j'ai travaillé 10 ans chez Intel, les microprocesseurs. Et en fait, je me suis rendu compte que plus j'en vendais, et moins ça prédisait. Alors, je me suis posé la question pourquoi. Et en fait, tous ces systèmes d'intelligence artificielle qui sont utilisés en météo mais ailleurs sont des systèmes probabilistes. C'est des probas. Donc, et comme toute probabilité, comme tout modèle probabiliste, c'est pas une science dure. Les mathématiques pour construire cet immeuble, c'est de la science dure. Les mathématiques pour construire des systèmes d'IA et plus exactement des modèles d'IA, ce sont des probabilités. Et si vous étudiez un peu les probabilités, je vous conseille de taper sur Google « Paradoxe de Simpson ». Le paradoxe de Simpson, c'est en probabilité, comment dirais-je, sur un jeu de données, vous obtenez un résultat, vous augmentez ce jeu de données et le paradoxe de Simpson vous amène en probabilité à un résultat inverse. Je vous conseille ça reste des probabilités. C'est pour ça que, de vous à moi, si on devait me demander est-ce que le Skynet, l'IA du Pentagone, je lui laisse de l'autonomie de décision, surtout pas. Parce que ça reste des systèmes planifiés avec des taux d'erreur qui sont induits par des biais cognitifs. Il faut que l'homme soit derrière.
c'est même pas à discuter. Vous voyez ? Et là, je suis catégorique. Autre question, quand sur une page internet, on est face à une grille de photos et on nous demande de cocher les mots, les feux tricolores, etc. Est-ce qu'on contribue à donner des informations à l'IA ? C'est les CAPTCHA ? Oui. Sincèrement, je ne sais pas. Il faudrait quand même qu'il y ait une grosse récurrence. Donc, vous vous souvenez le mot itération ? Pour apprendre à partir des CAPTCHA. Alors, oui, on peut. Les moteurs de recommandation fonctionnent sur des processus de classification. J'ai pas l'air comme ça, mais j'ai 55 ans. Je fais moins d'1m75. Mes cheveux se raréfient un peu. J'aime le rugby, donc je fais partie d'une catégorie. Vous voyez ? Je fais partie d'une catégorie. Et puis on va me comparer à d'autres catégories. Et en me comparant à d'autres catégories, peut-être qu'on va trouver que potentiellement, je suis un bon adepte à la saucisse de Morteau. Vous demanderez à ma femme. Je ne suis pas un fan de la saucisse de Morteau. Et pourtant, par similarité, on a pu supposer que je serais un fan de la saucisse de Morteau. Où on me recommanderait d'acheter des de la saucisse de Morteau. J'adore le comté. Pour tous les jurassiens de cette salle, j'aime le comté. D'accord ? Autre question. Les limites de l'IA, jusqu'où peut-on aller concrètement ? Il y a beaucoup de recherches. Alors... Je vous l'ai montré dans un slide, il est probable, à la question, la machine peut-elle être intelligente ? Je répondrai non. À la question, la machine peut-elle simuler l'intelligence généraliste ? Je répondrai oui. Mais c'est de la simulation. Donc est-ce que la machine peut aimer ? Non. C'est du silicium et du logiciel. En revanche, je peux l'entraîner pour qu'elle vous fasse croire que, d'où le chatbot qui vous comprend. Et qui a amené un jeune homme éco-anxieux à se suicider. D'où les cas d'usage extrêmes qui, à titre personnel et en tant qu'ingénieur, me dérangent. Vous voyez ? Me dérangent ? Pardon ? Je pense que je serai mort. Enfin, je serai au ciel. Normalement, si tout va bien. Pardon ? Je ne peux pas vous dire. En fait, je vais vous donner quelques clés là-dessus. Quelques clés. Mais c'est des clés. Aujourd'hui, des sociétés comme Intel qui fabriquent des microprocesseurs, et vous savez que le microprocesseur, c'est le cœur de l'intelligence artificielle, éprouvent des difficultés à pousser la miniaturisation en vertu de la loi de Moore, dont je vous ai parlé au tout début. Diminution par deux de la taille des transistors. Il y a aujourd'hui à peu près 6 milliards de transistors sur un timbre poste. D'accord ? Et lorsque vous empilez avec les technologies en 8 nanomètres, lorsque vous empilez, donc un transistor c'est 8 nanomètres, vous en empilez 10, 15 000, ça vous fait en fait la largeur d'un cheveu, pour vous donner des ordres d'idées. Le problème c'est que plus vous rentrez dans la miniaturisation, plus vous avez des phénomènes physiques incontrôlables, qu'on appelle le leak edge en anglais, c'est-à-dire la fuite des électrons, puisqu'un transistor, comme vous le savez tous, okay, c'est un drain, c'est un source, vous appliquez un potentiel électrique et un... Voilà. Donc le transistor, c'est à peu près 8 ou 4 nanomètres. OK ? Bon. Aujourd'hui, il y a des problèmes. Alors, les gens me diront, oui, mais il y a l'informatique quantique. Et là, c'est vrai que le qubit, OK, je suis en train de m'intéresser au sujet, parce que l'intelligence artificielle se marie assez bien avec l'informatique quantique. Sachez une chose pour l'informatique quantique. Autant là, j'ai un smartphone... avec un microprocesseur qui est 10 000 fois plus puissant que l'ordinateur qui a servi à envoyer les spationautes d'Apollo 13 sur la Lune, autant il est impossible de faire un smartphone avec de l'un à base d'informatique quantique, pour une simple et bonne raison, c'est que ça chauffe tellement qu'on est obligé de le refroidir proche du zéro absolu, moins 273 degrés Celsius. Si vous le mettez dans la poche, c'est clair, je ne dors pas avec ma femme ce soir. Vous voyez ? Donc,
Ce qui explique une bonne chose, c'est que on a besoin d'une telle puissance de calcul pour simuler l'intelligence, et on pourra la simuler. Et ça, de vous à moi, il faut être précautionneux là-dessus. Parce qu'encore une fois, ça a trait à la problématique de l'empathie. Moi, sincèrement, si j'atteins l'âge de 85-90 ans, je préférerais qu'une jeune femme, jeune et jolie, s'occupe de moi plutôt qu'un robot. Voilà, ça c'est dit. Excusez-moi, je suis volontairement provocateur, mais voilà, il faut faire attention parce que moi, je vous avoue que quand on me dit les robots vont rendre le monde meilleur, non, c'est pas les robots, c'est l'humain qui doit rendre l'homme meilleur. Que les robots contribuent d'une certaine manière, c'est clair que demain, en termes d'application, il vaut mieux envoyer un robot sur une zone où il y a eu un petit accident nucléaire que des êtres humains. Ok ? Je vous conseille un très bon film, je vous donnerai les références, je ne m'en souviens plus, sur cet accident, c'est une histoire vraie d'un sous-marin nucléaire qui, à 300 mètres de profondeur, en fait, explose son réacteur nucléaire. Et des jeunes se sacrifient. C'est dramatique comme film. J'ai pas l'air comme ça, mais je suis quelqu'un de très sensible et ça m'a fait pleurer. Enfin, une dernière question sur le lien avec les dirigeants, la politique. Que deviendront les citoyens quand les dirigeants auront tout loisir d'imposer leurs désirs par le biais de l'IA ? Est-ce qu'il y a un moyen de contrôle ? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Alors, la personne qui a posé cette question, je ne sais pas si elle est... Voilà. C'est mon ami basque, comme moi. Agour. Agour. Oui. Que deviendrons-nous ? C'est parce que... On sait que nous, on a notre ressenti. Mais entre ce qu'on désire et ce qui est décidé en haut... Vous voulez dire les politiques ? Il y a une énorme différence, oui. Les dirigeants font ce qu'ils veulent. Alors, avec l'intelligence artificielle, il y a la reconnaissance faciale, il y a tout ce qui permet d'espionner. Et on en parle de plus en plus actuellement avec l'approche des Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'on va devenir quand on sera contrôlé du matin au soir ? Alors, écoutez, d'abord, qu'est-ce qu'on va devenir ? Pour l'instant, on n'est pas contrôlé. Quoique, vos smartphones, etc., bref. Attendez. Je ne suis pas contre vous. Ne vous jetez pas sur moi, s'il vous plaît. D'accord ? Oui, encore une fois, en tant qu'ingénieur, l'intelligence artificielle pose le problème de l'intention derrière. Là, vous évoquez la surveillance de masse. À titre personnel, sans être complotiste, si vous lisez Le rhinocéros de Ionesco, j'ai été quand même étonné comment la population mondiale était relativement douce à la mise en place d'un pass vaccinal. Je ne rentrerai pas dans ce débat-là, j'ai juste été très étonné. Est-ce que demain, on aura un... Il y a des systèmes de surveillance de masse. Les États-Unis l'avaient mis en place. La question qui se posera, c'est si un jour ils décident de le mettre en œuvre pour arriver. OK ? Ben, quelle sera notre réaction ? L'IA, elle est là. Les outils sont là. L'intention du politique, sincèrement, je ne la connais pas. Je peux la subodorer. Vous êtes en train de me dire que vous la subodorez. OK ? Mais là, je vous fais une petite réponse de Normand. Je dirais, ben, on verra. Après, chacun est libre de réagir à la manière qu'il voudra réagir par rapport à ça. Mais aujourd'hui, je ne me prononce pas. Les outils sont là, oui, clairement. Mais les outils sont là aussi pour améliorer une chaîne de production. Moi, je suis ingénieur. Vous voyez ? Le jour où, je verrai. Vous voyez ? Donc, c'est pas sûr que cette... Je ne peux pas me prononcer à ce jour, vous voyez ?
suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron, de, je suis pas dans la tête de, du président italien, etc. Je peux pas me prononcer là-dessus. Moi, je vous donne les outils, je vous donne ce qu'on peut faire, je vous donne les cas d'usage extrêmes et les cas d'usage utiles. Après, effectivement, j'ai ma vision des choses. Je suis pas fan, effectivement, d'une surveillance. Mais je suis pas non plus à la tête, je vais pas régulièrement à Davos. Merci Jean-Louis pour votre intervention. Merci encore pour tout ce que vous nous avez apporté sur, voilà, sur l'intelligence artificielle. On a débordé d'ailleurs. Hein. On a débordé sur des questions éthiques. Alors, c'est normal. Peut-être une dernière question. On n'a pas parlé des enfants qui, comme vous le dites, exact. Font des rédactions grâce à ChatGPT. Vous ne réfléchissez plus. Je voudrais savoir, vous, comment vous voyez l'avenir avec des enfants qui vont grandir avec l'intelligence artificielle, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est un vrai sujet, ça. Voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle résout une question en une seconde, alors que l'humain, je mets 2 mois sur un autre sujet, et les gamins vont grandir avec ça. Donc, oui, mais là madame, vous posez une question. Vous alors, posez... Je dis peut-être juste oui. Jean-Louis la question pour ceux qui sont dans oui, votre absolument. Salle, oui, absolument. Qui l'entendent. Donc la question posée est une question qui concerne les jeunes qui grandissent avec l'intelligence artificielle. Quel avenir pour ces jeunes en termes de croissance intellectuelle ou pas, comment ils l'utiliseront, est-ce qu'il n'y aura pas un risque au contraire de dégénérescence intellectuelle? Vous savez, je pense que malheureusement la ce qu'on peut appeler une forme de pauvreté intellectuelle, elle existe déjà sans l'outil. Je dis bien malheureusement. Hein. Oui, quand ChatGPT est sorti, les jeunes et les moins jeunes se sont engouffrés dedans. Pourquoi? Parce que ça rend des services et en vertu de ce qu'on appelle la loi de l'emmerdement minimal. Ok, vous savez, on dit souvent que le bon ingénieur, c'est des feignants. Vous voyez? Après, il y a feignantise et feignantise. Il y a feignantise et feignantise. Moi, sincèrement, sur ce sujet-là, Macron s'est prononcé dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu son allocution. Dans son allocution, il souhaitait mettre en place une régulation. Mais est-ce que la régulation, c'est la solution? Moi, je crois qu'il y a probablement un travail beaucoup plus profond au niveau de l'éducation. Merci, il y a quelqu'un qui a prononcé le terme. Au niveau de l'éducation, pour aider les parents, les grands-parents à peut-être revenir à des formes d'éducation auxquelles j'ai bénéficié, et vous tous probablement, quand je vois toutes vos têtes poivre et sel, on a bénéficié de ça, okay, qui était finalement lire, réfléchir. Moi j'avais une maîtresse en CM1, CM2, je sortais pas de sa classe si je savais pas mes tables de multiplication par cœur. Et aujourd'hui, à 55 ans, je les fais encore par cœur. Mais est-ce que c'est lié à l'IA? Lié à l'IA. Oui. Est-ce que l'outil reste l'outil? Est-ce qu'il faut le réguler? Je me prononcerai pas dessus, parce que finalement, ça reste du domaine de la liberté. J'ai pas prononcé ce terme, il me semble, mais ça reste du domaine de la liberté de conscience. Et vous savez, vous lirez la définition de l'ingénieur sur le site du Collège des ingénieurs de France. Ma femme m'avait demandé de faire... Je l'aime beaucoup, hein, les choses sont claires. M'avait demandé de faire un slide et d'écrire « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Ben oui, c'est pour ça que je t'ai épousé. Et bien... La question majeure, c'est ça, c'est oui, science sans conscience, oui. Je ne sais pas si ça répond à votre question, j'ai essayé de vous donner des clés. Après, j'ai mon opinion personnelle, oui, mais est-ce que c'est lié à l'outil, voyez? Et puis pour répondre enfin à l'autre question que vous aviez, en 2040, l'intelligence artificielle, y a un problème aujourd'hui de capacité de calcul que l'informatique quantique va résoudre, mais on aura toujours plus de puissance de calcul. Ça, c'est sûr. On va voir. Oui? Je crois qu'il y avait une dernière question. Je peux poser une dernière question, s'il vous plaît.
ici, il ne semble pas qu'on ait beaucoup abordé la question de l'emploi, à part quand vous êtes journaliste à Hollywood. voilà, parce qu'on entend dire qu'il n'y aura plus comptable, il n'y aura plus en comptable, notamment, comptabilité, enfin, il y a d'autres domaines qui vont avoir des lesquels, mais enfin, il y en a plein. Arrêtez. Est-ce que ça va être une réalité? Oui, bien. J'aurais juste la question ouais, vas-y. Aussi. Donc, est-ce que justement l'IA va réduire certains emplois ou est-ce qu'on va voir disparaître certains emplois là où l'homme, l'IA va-t-elle remplacer l'homme sur certains emplois et, voilà. Plus que la destruction d'emplois et le remplacement, il va y avoir une redéfinition des postes. Quand j'ai commencé l'informatique, et je pense que pour en parler longuement, Jean-Luc, quand il y avait des postes de pupitreur de grands systèmes, qui sait aujourd'hui ce que c'est qu'un pupitreur ? C'était des gars qui étaient sur un pupitre, exactement comme moi, là, et qui pilotaient la machine. Ces postes n'existent plus. L'IA vient automatiser un certain nombre de processus. Dans les call centers, ce qu'on appelle donc les centres d'appel, très, très clairement, l'IA va automatiser des questions-réponses. Donc la nature du poste de l'opérateur de centre d'appel va changer. Donc il va y avoir une redéfinition. Maintenant, dites-vous bien une chose, c'est que l'IA, ce n'est pas la solution qui va tuer, remplacer. Ça doit être considéré comme un assistant, c'est un assistant. Et crois-moi, quand vous voyez comment une IA peut se planter, juste en mettant un petit sticker sur un panneau stop, ça a été ma thèse en master de data science et intelligence artificielle, c'est comment je peux bafouer une intelligence artificielle. C'est très facile. Et c'est l'un des problèmes majeurs. Donc si vous confiez vos systèmes à des IA qui potentiellement sont très fragiles et fébriles, ça pose un problème. Maintenant, ça va continuer. Ils vont travailler sur la fiabilité. Okay ? Ils vont travailler sur, bien évidemment. Mais ça va être une redéfinition. Alors moi, j'engage quand même, et c'est l'objet de cette conférence, c'était de vous faire toucher du doigt ce qu'est l'IA, l'intelligence artificielle, ce qu'elle n'est pas, les cas d'usage extrêmes et les cas d'usage, comment dirais-je, utiles. Après, le politique fera son travail. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question, mais... Ça ne remplacera pas les assistantes, ça ne remplacera pas des techniciens, des ingénieurs. Ça va redéfinir leur job. Aucun problème. Redéfinir. Et probablement améliorer d'ailleurs certains aspects. Mais pas remplacer. Je crois pas. Voilà. Alors on va arrêter là. Merci Jean-Louis. Vous pourrez retrouver donc la conférence en intégrale sur YouTube, sur la chaîne YouTube du diocèse, diocèse Saint-Claude. Et puis, je vous dis tout de suite qu'il y aura d'autres aspects de l'IA qui seront aussi envisagés l'année prochaine sur l'aspect éthique et anthropologique plus de l'intelligence artificielle. Donc voilà, un bon retour à chacun. Voilà, pour ceux qui le souhaitent, vous avez une petite corbeille au fond de la salle à côté de Madame Lezaune, Madame Jean-Louis, dont on a entendu parler pendant tout le long de cette conférence. Voilà, si vous voulez soutenir la formation du diocèse, merci à chacun et un bon retour chez vous. Merci. Vous allez bien ? Oui. Sur la citation étonnante. David Lois. Il y a une manip qui a été faite sur le sujet. Je te salue juste.